Camille. Camille ? Salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Retour magasin Oz. Voilà, je vais vous montrer un petit peu tous les goodies et jeux vidéo, hein, parce que j'ai fait du jeu vidéo aussi. Dans un magasin Oz, on va voir un petit peu les nouvelles rentrées de la semaine. Bon, il y a quelques goodies que j'avais vu quand même il y a quelques mois. Mais il y a eu quand même quelques rentrées sympas, notamment des pops, comme vous avez pu le voir un petit peu au début du live. Alors c'est parti pour les rentrées, je vais vous montrer tout de suite. Donc j'ai pu trouver ces petits badges. Voilà, donc badge lenticulaire. Officiel Nintendo. Vous voyez ce qu'il y a de bien chez Noz, c'est que c'est du déstockage. Donc on peut retrouver quand même des goodies ou des objets qui sont quand même sous licence officielle. Donc là, en l'occurrence, c'est sous licence Nintendo. Et on a ces petits badges lenticulaires qui sont bien sympas. Et vous voyez, quand vous les orientez, le petit Donkey Kong, Peach, on a le Yoshi avec l'œuf, qui sont bien bien sympas, je trouve. Voilà, pour ce lot de petits badges lenticulaires. On a le Luigi, le Mario. Ouais, ça dépend sous quel angle on l'incline. Et on a une image différente pour ces petits badges lenticulaires. Donc j'ai payé ça. Ben, j'ai encore l'étiquette. J'ai commencé à enlever quelques étiquettes. Mais là, vous voyez, étiquette Noz, 1,99€ pour ces petits badges officiels Nintendo. Qui sont quand même bien sympas. Ça fait un petit goodies. Très marrant. Donc du coup, voilà pour les badges. Toujours sous licence Mario, j'ai trouvé également un petit carnet qui est vraiment sympa. Par contre, celui-là, donc, comme vous pouvez le voir, c'est un petit carnet mais qui reprend la cartouche du jeu Super Mario Land sur Game Boy. Donc j'ai trouvé ça vraiment marrant. C'est très très sympa. Alors là, j'ai enlevé l'étiquette. Hein, et il me semble que c'était 1,99€ également. 2€ pour ce petit carnet. Donc du coup, avec un carton quand même de qualité. Le papier aussi est de bonne qualité. Et là, vous voyez, c'est marrant. La première page, on a l'intro de Super Mario Land sur Game Boy avec le Start 1989 Nintendo. Voilà, du coup, on a de quoi écrire. Et en bas des pages, on a le petit point d'interrogation. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et la dernière page, comme vous pouvez le voir, on a le score avec le petit game over, avec un niveau du jeu Super Mario Land. Même, vous voyez, la quatrième de couverture, elle est à l'effigie de la cartouche de la Game Boy. Et j'ai trouvé vraiment ça super sympa, quoi. Il en restait qu'un seul en plus. J'ai pas eu le temps de le filmer, celui-là, sur le petit stand. Parce que, bon, vous le savez, hein, dans les magasins Oz, c'est vraiment un fouillis total. Il faut vraiment presque chiner dans tous les bacs pour trouver son bonheur. Parce qu'il y a vraiment de tout partout. Bon, on va pas se mentir, c'est le bordel. Voilà, du coup, pour le petit carnet Mario Land que j'ai trouvé super sympa. Il y avait un petit stylo Zelda aussi qui est sympa. J'ai pu trouver. Voilà. Bon. C'est quand même... C'est sous licence officielle, la Zelda Breath of the Wild. J'ai payé ça 99 centimes, comme vous pouvez le voir. C'est du officiel Zelda. Et un stylo bien sympa, ma foi. Avec les petits détails. Donc voilà pour 99 centimes
Le petit stylo Zelda. Donc ensuite, oui, je me suis pris quelque chose de cool aussi. C'est une tirelire. Et c'est la tirelire Super Mario. Voilà, avec le point d'interrogation. Elle est vraiment super originale, cette tirelire. Parce qu'en fait, vous avez un mécanisme à l'intérieur. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais à l'intérieur, il y a une petite figurine Mario. Et pour la débloquer, en fait, il y a tout un système de labyrinthe. Donc il me semble que pour récupérer son argent, l'argent de la tirelire, vous voyez, on entend à l'intérieur, il y a une bille en métal. Et comme vous pouvez le voir, on a tout un sens, tout un labyrinthe à faire dans le cube. Et quand on a résolu le labyrinthe, il me semble qu'on peut récupérer son argent et on débloque une figurine Mario qui est à l'intérieur. Il me semble l'avoir aperçu. On peut l'apercevoir un petit peu ici. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais à l'intérieur, vous avez une petite figurine Mario. Vous voyez, on a la notice là. Mais ça, elle est vraiment super originale. C'est pareil, ça, c'est sous licence officielle Nintendo. Super joli, à l'intérieur vous avez cette petite figurine là. Voilà. Donc c'est marrant parce que pour la petite histoire, cette figurine là, j'ai dû la payer 20 centimes dans un vide-grenier. C'est exactement la même. Donc elle doit provenir justement de cette tirelire là. Voilà pour le petit. La petite tirelire Mario. Très sympa. Vous avez pu le voir aussi, il y avait pas mal de pop. J'ai hésité, il y a une pop. Ouais, j'ai un petit peu hésité pour la pop Mortal Kombat. Le Raiden. Je pense que j'aurais dû le prendre. Il était à 4,99€. Bon. Surtout qu'il n'y en avait que deux, il me semble. J'ai un petit peu hésité. Mais bon, c'est vrai que je ne l'ai pas prise sur le coup. Peut-être la prochaine fois quand j'y retournerai à. D'ici une semaine ou deux, je sais pas. Bon, s'il en reste, bien sûr, je me la prendrai peut-être. C'est la dernière fois, c'était pareil. Il y avait une figurine, une pop Fallout. J'ai hésité. 4,99€, je l'ai pas prise. Bon, mais ben là, il n'y en avait plus. Ça va vite. Donc, du coup, pour un cadeau, j'ai pris la petite figurine, la petite pop de Carla du manga Fairy Tail. Voilà. Donc, pour ceux qui sont fans du manga Fairy Tail, vous reconnaîtrez sûrement le personnage. Voilà. Bon, moi, ça, je l'ai pris pour un cadeau. Là, j'ai enlevé le prix, mais c'était bien 4,99€. De toute façon, vous avez pu l'apercevoir dans le live. Petite pop Carla, bien sympa d'ailleurs. Vraiment pour les fans du manga Fairy Tail. Elle est très jolie aussi. Je me suis pris un petit pack, ça c'est pour moi. J'aime bien l'univers Marvel ainsi que Capcom et j'ai le jeu d'ailleurs Marvel versus Capcom Infinite. Et je me suis pris ce superbe bundle. Voilà, c'est Ultron versus Sigma. Donc Sigma c'est le méchant et le boss de la série Megaman. Donc c'est Megaman X celui-là. Et le Ultron qui est vraiment super sympa. Alors en plus, elles sont un petit peu. La Ultron, elle est un petit peu brillante. Elle a vraiment de très jolis détails. L'armure est superbe. Et même le Sigma, vous voyez. Très très joli bundle. Alors ce bundle, je l'ai payé 7,99€. Donc sachant qu'une pop. En moyenne, c'est dans les 15 euros. Bon, là, un petit bundle de deux pop sur le thème Marvel versus Capcom Infinite, le jeu vidéo. Je me suis dit pourquoi pas, sachant que j'ai quelques pop, je les collectionne pas, mais j'en ai quelques-unes, mais uniquement sur le thème des jeux vidéo. Après, il y en avait plein à Action, franchement, il y en avait plein, il y avait très joli, il y avait Roger Moore,
en 007, qui était vraiment, vraiment sympa, très sobre. Mais bon, c'est vrai que là, si je commence encore une nouvelle collection, bon, je sais plus où mettre les choses à force. Les étagères sont bien remplies. Donc du coup, bon, même si elle était très jolie, je ne l'ai pas prise. Il y a peut-être juste le Raiden que je regrette un petit peu. La pop Mortal Kombat. Vous avez pu l'apercevoir dans le live. Bon, on verra la prochaine fois si elle y est. Mais en tout cas, très content de rentrer cette Marvel versus Capcom Infinite, Ultron versus Sigma. Il y en a de très jolies. Par contre, effectivement, j'ai aussi hésité. Il y avait la Gamora versus Strider. Mais bon, après les autres, elles n'y étaient pas. Sinon, je pense que j'aurais pris Rocket versus Megaman X. Celle-là, je pense que je l'aurais pris direct. Celle-là, j'aurais vraiment prise. Elle est vraiment sympa. Le Rocket est très joli. Le Megaman X aussi. Bon, j'ai trouvé le boss, le méchant, le Sigma versus Ultron, qui sont déjà très très sympas également. Du coup, pour 7,99€, pour ce bundle de pop. Voilà. Ensuite, je me suis trouvé. Alors là, vraiment, il y avait énormément, vous le savez, chez Noz, on a beaucoup de DVD, de Blu-ray. Ben, écoutez, en fouillant un peu, j'ai trouvé un exemplaire de Street Fighter 2, le film. Donc, c'est un animé, hein. Il y a marqué le film, c'est l'animé, qui est vraiment excellent. J'avais vu il y a très longtemps. Ça date pas d'aujourd'hui, ce dessin animé, ce film de Street Fighter 2. Là, vous voyez, c'est la nouvelle édition remasterisée, non censurée. Donc ça, c'est vraiment sympa. Du coup, pour 2,99€, j'ai pas hésité. Le petit DVD. Donc dommage que ce soit pas une version Blu-ray Steelbook. Ça aurait pu faire quelque chose de très joli, mais bon. On va se contenter du DVD. Et puis l'animé, là, le film Street Fighter 2, vraiment, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Il est vraiment excellent pour tous les fans de Street Fighter, notamment Street Fighter 2. Ça, c'est vraiment un animé que je vous conseille. Puis, si jamais vous allez à Noz et que vous avez des DVD, surtout, n'hésitez pas à fouiller. Faut vraiment bien fouiller dans les bacs. Du coup, j'ai pu trouver ce Street Fighter 2, le film. Et du coup, on va terminer avec deux jeux. Voilà, parce qu'à Noz aussi, il y a du jeu vidéo. J'ai trouvé le petit Batman The Telltale Series. Voilà, sur PlayStation 3, donc il est sous blister. Vraiment, dans les Telltale séries, vous savez, c'est ils ont fait du Minecraft, ils ont fait surtout la série The Walking Dead. Très très bonne série, Telltale. Voilà, donc là, c'est le Batman. 3,99€, du coup, vous le voyez ici, pour le prix. Et le dernier, c'est le Sacred 3. Bon, j'ai beaucoup aimé le 2 sur PC. Bon, j'avais pas de sorte de Diablo-like, hein, Sacred. Il paraît que le 3 quand même est beaucoup moins bon. Mais je me suis dit pourquoi pas. Pour 3,99€, c'est la first edition du coup, en plus qui contient, hein, tous les DLC. Vous avez le jeu principal, le DLC Histoire des Enfers et le DLC Heroes de Malakin. Donc bon, pourquoi pas, hein. Ce Sacred 3, on le testera sur PlayStation 3. Ça peut être un jeu sympa à faire. J'ai aucun jeu de la série Sacred sur PS3 ou sur console même, tout court. J'ai que le 2 sur PC, qui est excellent. Mais je me suis laissé tenter par ce troisième opus sur PlayStation 3, toujours pour 3,99€. Il restait que cet exemplaire, donc je me le suis pris. On avait également pas mal de FIFA sur Xbox One et PS4. Bon, c'était des vieux FIFA, hein, FIFA 16. C'était FIFA 16, il me semble. On avait des NBA 2K16 aussi. Pas mal sur PS3 PS3 360. Qu'est-ce qu'on avait encore? Après, il y avait quelques jeux Wii U, je crois. Bon, rien d'extraordinaire, je vous rassure. Mais bon, ça fait toujours plaisir de pouvoir toujours trouver des jeux dans les magasins Noz. Voilà, du coup, un peu pour toutes ces trouvailles. Hein. Un petit peu de tout, du goodies. Du DVD, du jeu vidéo et des pop. Vraiment, les pop, je suis très content parce qu'elles sont vraiment sympas. Cette série-là, Marvel versus Capcom Infinite et la Fairy Tail, le manga, c'est pour un cadeau. Voilà, du coup, les amis,
Moi, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!